Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits chouchous express au crochet. Avec le fil aquarelle, un crochet taille numéro 3 et un élastique, je vais vous prendre la mesure, donc environ 4 cm de diamètre. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend notre élastique et on passe la maille chaînette à l'intérieur. On la récupère de l'autre côté et on est donc dans cette configuration-là. On fait attention à ce qu'elle ne vrille pas, comme ceci. On vient piquer dans la première maille et on fait une maille coulée. Une maille en l'air et au même endroit où on a fait notre maille coulée, on fait une maille serrée. On vient mettre notre petit marqueur au niveau de notre première maille. Et on vient faire un rang complet de mailles serrées. Donc on va faire 10 mailles serrées. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va travailler en spirale. Donc ça veut dire qu'on viendra directement faire la première maille de chaque rang dans la première maille du rang précédent. Vous voyez, comme ceci. Et sauf qu'on ne va pas piquer dans les deux brins, comme ceci, mais on piquera à chaque fois et toujours que dans le brin arrière. Donc on fait la première maille serrée du rang numéro 2 et on déplace de nouveau notre petit marqueur. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De nouveau, on pique dans la première maille du rang précédent pour venir faire la première maille du nouveau rang. Toujours que dans le brin arrière. 1, on déplace notre marqueur. 1. Répète à chaque fois la même chose, 10 mailles serrées que dans le brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va répéter ça donc autant de fois que nécessaire pour avoir l'effet escompté. Toujours des rangs de 10 mailles serrées en ne piquant que dans le brin arrière. Vous réalisez le nombre de rangs que vous souhaitez pour avoir l'effet escompté et lorsque ça vous va, vous venez faire dans la première maille du rang précédent directement une maille coulée. On termine par une maille en l'air et on laisse suffisamment de fil pour venir réaliser notre petite couture. Et ensuite, c'est super facile, on va venir faire maille dans maille, une petite couture pour venir unir tout simplement notre petit chouchou, puis on viendra cacher les fils. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, passez de très belles vacances et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut !